Hey, what's up guys? I hope that you are doing well. If it's your first time, my name is Ali Ibrahim. Make sure to subscribe and hit the notification bell. We will have all the time to know each other. A lot of my friends are asking me how I improve my English. That's why I decided to do this video in order to help you too to improve your English. Continue to watch this video and I hope that you will find your answers. Je vais vous raconter une petite histoire concernant mon anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais depuis l'école primaire. Donc, bon, quand je dis apprendre, c'est du genre vraiment, on a commencé à étudier l'anglais à l'école, quoi, donc, depuis l'école primaire. J'ai toujours été en fait passionné par l'anglais. Quand il s'agissait de lire des textes et tout ça, c'était toujours moi en fait qui le faisais. Et ça a continué comme ça au lycée. En fait, j'essayais de m'améliorer. L'anglais faisait partie en fait des mes matières préférées. Après l'anglais, l'anglais venait même avant l'informatique et les maths. Donc je savais pas comment moi-même je faisais ça, mais c'était comme ça en fait. L'école primaire, le lycée, en fait je m'améliorais au fur et à mesure. Quand j'avais fini le lycée, je n'avais pas vraiment de problème avec mon writing ni le reading. Je n'avais aucun problème et je me débrouillais un peu aussi en speaking et listening. Donc, mais quand je suis allé à l'université, je me suis rendu compte en fait c'est pas n'importe quel listening que je comprenais, surtout quand il s'agissait en fait des Américains et tout. J'avais du mal à comprendre ça. C'est là en fait que je me suis remis en question et j'ai décidé en fait de trouver une autre manière pour me permettre en fait d'améliorer mon speaking et mon listening, parce que ce sont les deux choses les plus importantes pour apprendre une langue. La première des choses en fait, quand on veut vraiment améliorer ou apprendre l'anglais, c'est de vraiment connaître son niveau. Est-ce qu'on est débutant? Est-ce qu'on est intermédiaire? Est-ce que c'est intermédiaire avancé? Est-ce qu'on a un niveau avancé? C'est quand même, si vous avez un niveau avancé, je pense pas que vous allez en fait cliquer sur cette vidéo pour regarder. Peut-être en fait pour voir si vous avez d'autres choses à ajouter. Mais en fait, c'est très important de connaître son niveau. Je vais essayer de mettre en fait certains liens en description. Si je ne les ai pas mis, vous pouvez aussi toujours me demander en commentaire le lien pour pouvoir en fait connaître son niveau. Dès qu'on connaît déjà son niveau, il faut maintenant en fait déterminer son objectif. Quel est votre objectif en apprenant l'anglais? Est-ce que c'est pour faire des études en anglais? Est-ce que c'est pour, je sais pas, immigrer vers un pays anglophone? C'est très important en fait, parce que quand on connaît son objectif, on saura par où commencer et avec quel contenu commencer à apprendre. La première des choses en fait, le premier conseil que je veux vous donner, si vous voulez améliorer ou apprendre de l'anglais, commencez toujours par apprendre l'anglais, le speaking. Parce que quand on veut apprendre une langue, ça serait dommage en fait d'aller perdre le temps. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris, d'aller perdre le temps en sachant comment lire, comment conjuguer le verbe être dans tous ces temps, le passé participe. En fait, il y a beaucoup de temps qu'on nous a appris au lycée, comment conjuguer le present perfect, le past perfect. Il y a des choses, on ne s'en sert même pas en fait. Donc, c'est de vraiment commencer par le speaking et le listening. C'est très important parce qu'on ne peut pas apprendre. Tu ne vas pas aller voir un anglophone conjuguer un verbe dans tous les temps en fait, dans tous les temps de l'anglais devant lui. Quand tu vas le voir, tu as envie de parler avec lui, tu as envie de l'écouter. Donc, c'est très important de commencer par le listening et le speaking. Ensuite, maintenant, quand on commence par le listening, essayez en fait de trouver en fait des contenus, des vrais contenus, parce qu'il y a des audios qu'on met à notre disposition, mais ce sont pas en fait des vraies conversations. Ce sont des choses que peut-être les Anglais n'utilisent même pas dans la vraie vie. On enregistre juste comme ça, on nous donne. Il y a beaucoup de vraies conversations. Essayez de les écouter. C'est ça en fait qui va vraiment vous aider. Moi, en fait, c'est un enseignant là, il s'appelle AJ Hawk. Je ne sais pas s'il y a parmi vous les gens qui le connaissent. Je vais être de mettre le lien vers sa chaîne YouTube en bas de description. Il m'a énormément aidé en fait à améliorer mon speaking. C'est quand même vrai en fait, sa chaîne c'est beaucoup plus pour les débutants un peu avancés et entre intermédiaires, mais il a plusieurs méthodes en fait pour apprendre l'anglais à partir de speaking. C'est très important, et aussi le listening. Une fois en fait que vous allez savoir parler et comprendre, vous allez commencer maintenant à savoir comment écrire, parce que commencer directement avec l'écriture, ça devient compliqué en fait. Vous allez vous mettre à retenir tous les temps et tout ça, en fin de compte vous n'allez pas vraiment vous servir de cela. Donc, et il y a vraiment, AJ m'a vraiment éclairci sur ce point-là, parce que je passais tout mon temps avec, j'avais carrément un dictionnaire français, anglais. Donc, je l'ai jeté carrément. La première fois que j'ai vu la vidéo de AJ, j'ai jeté ce dictionnaire parce que ça ne me servait à rien. C'est ou pas aussi en fait une bonne manière d'apprendre
une langue en traduisant. Si vous découvrez un mot, vous courez directement chercher la signification en français. Ça ne va pas aider en fait. Essayez toujours de comprendre un mot dans son contexte parce qu'en anglais, vous-même, vous savez, en fait, chaque mot dépend du contexte de la phrase dans laquelle il est utilisé. Donc, ça ne sert à rien d'avoir un dictionnaire ou bien de traduire. Ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre. Depuis que j'ai vu ça, moi, j'ai jeté carrément, comme je vous l'ai dit, mon dictionnaire. Et ça m'a aidé. En fait, qu'est-ce que je fais quand j'ai des problèmes? J'essaie toujours, en fait, d'écrire en anglais ou de parler en anglais et de traduire en français, en fait, pour voir est-ce que ça a un sens. Il faut jamais, en fait, faire l'opération inverse. Par exemple, écrire en français, essayer de traduire en anglais, c'est pas la meilleure manière. Donc, essayez toujours, si vous voulez, en fait, écrire un message professionnel en anglais, essayez toujours de l'écrire, en fait, avec la manière dont vous pensez cela. Vous l'écrivez, il y a Google Traduction, vous essayez maintenant de copier le message que vous avez écrit en anglais et essayez en fait de voir quelle traduction ça donne en français. S'il y a un problème, essayez de corriger la version anglaise plutôt que de corriger la version française. C'est la meilleure manière que de traduire en français. Et quand vous regardez aussi par exemple des vidéos ou de films en anglais, essayez de mettre dans un premier temps des sous-titres, ça va aider en fait à comprendre la vidéo. Regardez la même vidéo plusieurs fois. En tout cas, quand vous allez découvrir la chaîne de Edge Rock, il va vraiment détailler tout ce processus et c'est vraiment très puissant. Au début, quand moi j'avais découvert ça, je trouvais ça un peu bizarre, mais au bout de 6 mois, ça m'a complètement changé. Et je suis sûr que ça va vous changer aussi. Faites un tour sur sa chaîne YouTube. Il y a également un autre, il s'appelle Andrew. Sa chaîne s'appelle Crown Academy of English. Donc, malgré que je n'aime pas trop l'accent britannique, je préfère l'accent américain. Mais Andrew, c'est un anglais et il explique vraiment très bien aussi. Il a un très bon contenu. Essayez également de voir sa chaîne. Essayez également de lire des articles en anglais, en fait. Donc, quand je dis des articles, c'est toujours des vrais articles, en fait. Il y a des en tout cas, je sais pas, des magazines, voilà, comme New York Times, des choses comme ça. Ça peut vraiment aider à trouver des articles qui relatent, en fait, de l'actualité. Essayez de comprendre le sens de l'article, lisez l'article tout entier. Et essayez en fait de faire un petit check-up pour voir qu'est-ce que vous avez compris. N'essayez pas de comprendre mot par mot parce qu'on ne va pas, comme si on se dit qu'on veut en fait comprendre mot par mot, on va facilement se décourager. Essayez toujours de comprendre le sens, même si vous ne comprenez pas, continuez à lire au fur et à mesure et ça nécessite également aussi du temps. Quand je parle avec mes amis, en fait, il y a des gens qui me disent que moi je veux parler l'anglais en, je sais pas, en un mois. C'est quand même, il y a des formations qui vous promettent en fait le paradis, que vous allez parler l'anglais en un mois. Je ne dis pas en fait que ce n'est pas possible, mais ça nécessite du temps. Donc, ça dépend de ce qu'ils font. Mais je sais en fait, pour pouvoir atteindre ces objectifs en anglais, ça demande du temps. Lisez les articles. Il y a aussi en fait des petites astuces comme modifier en fait les paramètres de son téléphone, transformer tout en anglais, réfléchir en anglais. Au début, quand on me disait réfléchir en anglais, je trouvais ça bizarre parce que déjà en français, je me disais comment réfléchir en français, c'était compliqué, je réfléchissais peut-être en ma langue et tout ça. Bon, je blague. Mais c'est quelque chose qui aide énormément. Réfléchissez en anglais, pensez en anglais, écrivez tout en anglais. En parlant de l'anglais, en fait, moi, pour pouvoir en fait améliorer mon anglais chaque jour, parce que il faut aussi savoir qu'on ne va pas en fait apprendre l'anglais et puis on dit que maintenant je suis bon en anglais, c'est quelque chose qu'on améliore chaque jour. Donc j'ai décidé en fait carrément mon Instagram sera totalement en anglais en fait. Donc si vous voulez en fait améliorer votre anglais avec des citations et tout ça, vous pouvez me suivre en fait sur Instagram. Vous allez trouver le lien en fait de vers mon compte Instagram.
beaucoup de gens en fait qui font le sport ici. C'est très pratique, surtout pour un samedi. Beaucoup de familles, ils sont en train de faire le chilling, quoi. Donc, c'est vraiment très pratique. Et en plus, c'est pas très loin de mon école. Peut-être, en fait, je viendrai souvent. Je savais pas, en fait, que les gens faisaient le sport ici. C'est bien, il y a vraiment tout des terrains de foot et tout ça. Comme vous allez bien le voir. La forêt, en fait, c'est de deux côtés. Moi, je pensais que c'était juste un seul côté. Apparemment, il y a une route, en fait, qui sépare les deux. En fait, c'est tellement grand, quoi. Moi, je pensais juste cette partie. Apparemment, il y a une autre partie. Comme vous allez le voir juste derrière, comme ça, c'est l'autre partie. Ça y est, on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et j'espère en fait que la vidéo va également vous aider à améliorer votre anglais. Si vous avez d'autres astuces qui vous ont aidé, mettez-les en commentaire. Ça va certainement m'aider, aider aussi d'autres personnes qui vont voir la vidéo. Et je tenais juste à éclaircir quelque chose. J'ai parlé en fait de commencer par le speaking et le listening parce que c'est le plus important. Mais ça ne veut pas dire en fait qu'on doit aussi négliger les autres en fait, je sais pas, parties. Comme le writing ou le reading, c'est aussi très important de les apprendre. Mais il faut en fait commencer parce que quand on parle, on comprend. Ça nous motive en fait à aller de l'avant. Mais si quand on sait déjà lire et écrire, c'est pas très important. Donc c'est vraiment pas important. Vous allez pas voir quelqu'un dire que non, moi je sais lire, je sais écrire en anglais si vous ne parlez pas. Mais quand vous allez apprendre à parler, ça donne en fait la motivation de vraiment avancer. Et concernant le vlog en fait de cette vidéo, je l'ai fait dans la forêt urbaine de Rabat. Pour ceux qui sont de Rabat, je suppose que vous avez déjà fait un tour. Sinon, ça vaut vraiment le coup. Et pour ceux qui sont des autres villes, mais ceux qui ne sont pas au Maroc, quand vous allez venir au Maroc, essayez de faire un tour. C'est très calme, c'est très joli, ça permet de réfléchir et tout cela. N'oubliez pas de vous abonner, partager également. Merci beaucoup pour tout. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Peace.